Le traitement médical a un rôle essentiel dans la prise en charge des troubles du rythme cardiaque, mais il présente également des limites. Certains patients vont commencer à avoir des troubles du rythme très jeunes et donc ils vont prendre le traitement pendant de nombreuses années. La prise de traitement pendant des décennies peut constituer un poids tant sur le plan financier que psychologique. De plus, au cours du traitement, les patients vont rencontrer des effets secondaires qui vont altérer leur qualité de vie. Parfois même, ça peut abîmer certains organes comme la thyroïde, les reins ou les yeux. La prise en charge du patient nécessite donc un suivi pour évaluer à la fois les bénéfices et les risques des traitements, pour permettre de diminuer au mieux les symptômes désagréables du patient. Mais à un certain stade, le traitement peut devenir inefficace. Et là, le patient risque de devoir faire face à des complications si la maladie s'aggrave. Đó là lý do can thiệp, thủ thuật và phẫu thuật điều trị rối loạn nhịp tim không ngừng được nghiên cứu và cải thiện. Tùy theo từng loại rối loạn nhịp tim, có tới 95% bệnh nhân có thể được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn mà không cần tiếp tục dùng thuốc. Il existe trois facteurs décisifs pour le succès d'une intervention. La première, c'est l'indication appropriée. Il est essentiel de peser les bénéfices, éventuellement parfois en équipe pluridisciplinaire, les risques et les complications de chaque intervention pour pouvoir proposer l'intervention que si elle va être bénéfique pour le patient. Par exemple, chez les patients jeunes qui n'ont pas de cardiopathie, pas de problème de cœur, on va très facilement leur proposer une intervention. Alors que chez les patients âgés, qui vont avoir plus de comorbidités, on va moins souvent y avoir recours. Ensuite, une équipe de médecins hautement spécialisés. Les médecins jouent un rôle crucial à la fois dans l'organisation de la procédure, mais aussi dans le déroulement de la procédure avec l'adaptation technique tout au long de l'intervention pour pouvoir permettre la meilleure ablation possible en minimisant le risque de complications et en augmentant les chances de succès. Enfin, un équipement médical à la pointe. L'utilisation d'un système de navigation tridimensionnel permet aux médecins de mieux sélectionner, de mieux visualiser plus finement, plus précisément les zones du cœur qui sont malades. Ça va permettre une diminution des zones d'ablation, ça va réduire le temps de procédure et préserver les tissus sains. Quand ces facteurs sont garantis, nous croyons que tous les troubles du rythme ont la possibilité d'être guéris.